Dr. Sholamos Shogbaminu a affirmé que le prince Harry et Meghan Markle avaient encore gagné suite aux informations selon lesquelles la reine aurait tendu une branche d'olivier au couple, le monarque aurait invité le duc et la duchesse de Sussex à rester avec elle à Balmoral pendant ses vacances d'été. Réagissant à la nouvelle, le Dr. Moss Shogbaminu a déclaré que les ennemis de Harry et Meghan grinceront des dents. Le commentateur a tweeté, la reine invite Harry et Meghan à Balmoral avec leurs enfants. Si les vrais haineux grincent des dents parce qu'ils n'en veulent pas. Croisillon Harry and Meghan gagne à nouveau. Le tweet du Dr. Shola intervient après que la reine a invité les Sussex à rester dans sa résidence privée dans les Highlands écossais lorsque d'autres membres de la famille royale ne sont pas là. Un initié de Balmoral a déclaré au Sun, le personnel a été invité à s'attendre à la liste complète des membres de la famille royale, y compris Harry, Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet, ils se préparent pour les Sussex. Une autre source a déclaré. Balmoral est l'endroit idéal pour passer un peu de temps de qualité avec la reine. Ils ont à peine passé 15 minutes avec elle au jubilé. Cependant, une autre source a demandé si Harry et Meghan, qui vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale, iraient à Balmoral, ils ont dit, je serais stupéfait s'ils se présentaient. La reine passe traditionnellement ses vacances d'été à Balmoral dans El Aberdeenshire où elle est rejointe par d'autres membres de la famille royale. Cela survient après le retour de Harry et Meghan en Grande-Bretagne avec leurs deux enfants pour les célébrations du jubilé de platine le mois dernier. Cette visite marquait la première fois que le couple se rendait au Royaume-Uni avec Archie et Lilibet depuis Mexit.